Bonjour tout le monde, c'est Troubias, Troubinette. Aujourd'hui, un peu une vidéo qui sort un peu du lot. Je vais tout simplement regarder les premières vidéos qu'ont fait les membres de l'équipe de Ripou et Troubinette, c'est-à-dire The Sebacle, Demonelli, Ripou, Xalex, Saja et Sorio. Donc je vais aller regarder toute leur chaîne. On va regarder leurs premières vidéos, on va commenter un peu leurs premières vidéos. Et bien entendu, il y aura ma chaîne, mais dans un autre épisode, si vous kiffez ça. Drop it. D'ailleurs, je vous remercie pour la dernière vidéo que vous avez kiffée, qui est Troubinette se fait maquiller par Demonelli. Effectivement, je suis debout cette fois-ci, c'est plus simple pour tourner, je préfère. Comme ça, c'est plus dynamique, j'aime bien. Voilà, alors si je vous montre comment j'ai fait pour faire ce montage-là, pour avoir mon ordi en hauteur, c'est juste sur une étagère. Voilà. Vous voyez, donc tous les membres de l'équipe, à part Sorio, parce que Sorio, je sais même pas s'il a une chaîne. On va commencer par Rip, qui est l'un des fondateurs de la chaîne. Monsieur Rip, qui est à 661 abonnés à l'heure où je vous parle. Qui est donc le 12-03 à 17h24, hein, tout simplement. Nous allons regarder la première vidéo. Alors, oui, cet enculé, il a quand même fait. Il n'y a même pas le nombre de vidéos qu'il a fait. Ah, bon, bah. Première vidéo, alors. Ce serait un premier rush. Alors, je pense que c'est. Alors, oui, c'est juste un putain de montage. Du coup, en fait, on entend. Enfin, on n'entend rien. En fait, je ne sais même pas si on va l'entendre parler. Pour ceux qui sont vraiment abonnés depuis longtemps sur la chaîne, vous avez pu voir une vidéo que j'ai postée où on entend la voix de Rip quand il était très mature, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est peut-être une de ses premières vidéos, je ne sais pas. Peut-être qu'il a d'autres chaînes, mais je ne sais pas. Mais je regarde que les chaînes actuelles que je connais des membres de l'équipe. Donc. Donc voilà, sa première soi-disant vidéo sur Ripou, sur Rip, c'est tout simplement un montage. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait l'entendre parler, parce qu'à mon avis, ça c'est que des montages Gradero à gagner. Je sais. Faut que je trouve une vidéo où on l'entend. Où on l'entend. Ah, il y a un live sur Multiserve. Bon, on peut voir déjà que niveau miniature, on va dire qu'il est pas trop ouf non plus, notre ami Ripou. Vous voyez ce que je veux dire? Non, très clairement, voilà, là il s'est pas fait chier hein, sur certains. On va voir celle-là. Ouais, je suis genre salé pour l'entendre, on s'en fout. Ok. Ça m'a fait peur. Non, sa voix, ouais, il est mieux comme ça maintenant. Non, très clairement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, j'ai rien à dire, on va juste regarder les bouts de la vidéo. Pour une nouvelle vidéo les gars, ça fait 4 fois que je recommence la vidéo parce que soit il y a des mecs qui me cassent les couilles sur le hub à venir derrière moi et tout. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler pour gagner le Gradero. Donc je vous fais gagner à 240 subs les gars, les masters en haut à gauche, bref. Donc je fais gagner le Gradero, pseudo en commentaire, likez la vidéo à 240 abonnés, je fais le tirage, 240 les gars. Il faut être 240 avant le premier. Non, ok, on arrête là, on arrête là. Non, très clairement, voilà. Voilà, il a mué depuis le temps, je vous jure, hein, voilà. Non, mais non, Rip, t'as pas le droit de faire ça, surtout dire que t'as refait 40 fois l'intro, hein, ou au pire, montre-les, comme je fais moi sur les vidéos de Ripou et Troubinette quand je suis avec Demonelli, hein. Non, franchement, c'était magique, j'ai kiffé. Franchement, c'était pas mal, on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Salut tout le monde, c'est Rip. Bon, j'arrive. Salut tout le monde, c'est Rip. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo. Ok, bah. Ouais, pareil. Le micro, non. Non, le micro, non, t'as pas le droit de faire ça. Bon, je dis ça, mais moi avant. Pareil, mon micro était dégueulasse. Là, maintenant, j'ai un bon micro. Hein, qui est tout simplement là. Hein, je peux, voilà, vous parler comme ça directement. Bon, après, juste comme ça, le garder comme ça, c'est juste super chiant, en fait. On va pas faire ça, parce que je vais me faire chier. Donc. Voilà, faut que j'arrive à le faire tenir maintenant, c'est cool. Du coup, voilà, non, mais voilà, son putain de micro, hein, voilà. Ouais, bah aussi, si vous me faites peur, je te ferai de merde là. Ah, c'est difficile, Rip, hein, de combler le blanc dans une vidéo, hein. Surtout que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de montage, t'as tourné en une seule fois. Et partie 1, je crois qu'on ne voit même pas la partie 2, hein. Je pense que t'as vu que c'était tellement de la merde.
que tu n'as pas fait la partie 2. Ah non, 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 on voit pas la partie 2. Non, 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 je crois qu'il l'a complètement oublié. On a fait Ripou, donc moi, Troubiens, on va pas le faire tout de suite. On va faire Xalex désormais. Alors, Xalex, ça fait longtemps que je le connais. Bon, déjà, on va. Bon, il a une plutôt bonne bannière, parce que bon, voilà, c'est par rapport au format, les différents formats, voilà, il y a PC, télé et portable. Donc voilà, ça c'est le bon format pour tout avoir. Je ne savais même pas qu'il avait Twitter. Il a Instagram depuis peu. On va regarder ça. Six types de printer. Voilà. Alors clairement, en fait, j'ai rien à dire parce que le micro était déjà plutôt bon. Je ne sais pas du tout s'il a commencé sur Dark RP. Pour ceux qui ne savent pas encore, cette vidéo est juste un test au niveau montage, etc. J'ai cette miniature. Ouais, prends que ça tourne mal. Non, écoutez, j'ai rien à dire sur Xalex, c'est triste quand même. J'ai plus de choses à dire sur. Mais je crois qu'il a supprimé des vidéos, ce bâtard, parce qu'il avait pas fait que ça. Oui, non, oui, au départ, il avait plein de vidéos pour son serveur Minecraft, il en a fait une autre aussi, là, celle-là. Il a perdu également donc au gage là où sur lequel a joué Rip, il a fait le démineur et Xalex a fait le solitaire. Je peux vous dire que là par contre c'est très chiant parce qu'il a juste fait une intro très très longue et il a laissé 15 minutes de blanc. 15 putain minutes de blanc. Hein, Xalex. Le but c'était de le commenter quand même, hein, c'était de faire un let's play. Hein, hein. Du coup on va faire Seb maintenant. The Sebacle, alors The Sebacle, il a quand même 1554 abonnés. Il est principalement connu pour le serveur multiserve. Voilà, les gens sont abonnés par rapport à ça. À propos de sa chaîne, cette chaîne sera basée principalement sur les vidéos du Dark RP de mon serveur Minecraft et de mes projets. Ciao! On va regarder la première vidéo qu'il aurait mis. Alors, il y a 4 ans. Dark RP dans Minecraft. Alors, vous voyez qu'il a fait que du Dark RP de toute façon, parce que voilà, c'était le but de la chaîne à la base. Hello les 10 maintenant. Stop, on arrête. 43 000 vues déjà. Franchement, il a géré le petit Seb. Hein. Le petit Sebou, hein. Il a géré, vraiment. Bravo à toi. Mais, oui, mais je pense niveau commentaire. Voilà, 299 commentaires. C'est le but, mais écoutez la voix de Seb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon serveur Dark RP. En réalité, bah, c'est juste une présentation sur mon serveur Dark RP que j'ai entièrement codé. Il n'y a aucun mode sauf un seul qui n'est disponible que via notre launcher qui. Alors clairement le serveur est resté en alpha pendant 4 ans. Moi quand j'y étais il était encore en alpha. Il est resté en alpha. Malheureusement on n'est pas passé en bêta ou en version finie quoi qu'il arrive. Du coup voilà. Bon la voix de Seb elle était déjà un peu mignonne. Hein, voilà un peu casse-couille sur les bords. Non. Elle était mignonne sa petite voix à Seb. J'avoue. Je le conçois. Mais voilà. On peut, de toute façon on peut rien dire de plus là-dessus non plus. Et C'est... voilà. Oui. Ben, hein, jamais. Prochaine chaîne de notre équipe, il va s'agir de Saja. Alors, très clairement, voilà, Saja a très peu d'abonnés. Donc je vous invite à aller vous abonner en masse à sa chaîne. Malheureusement, il ne fait plus trop de vidéos. Alors, on va y voir. Salut à tous, ici je vais parler de ma fiction audio, ou rien. C'est que de métal et de geekerie. Bon, voilà. Il a fait 5 vidéos. Alors, il en avait fait plus parce qu'avant, il faisait des, entre guillemets, je sais même pas si c'était des streams qu'il faisait. Enfin, il faisait des let's play commentary. Ce qui, voilà, c'était plutôt sur des vieux jeux, etc. Donc, c'était plutôt cool à regarder. Et il prépare, enfin, il fait une série audio, Les Vauriens. Donc, je vous invite à aller écouter. Donc, on va écouter la première vidéo qu'il a mis. Alors, il a refait en fait une. Comment dire? Il a refait son épisode 1, donc c'est pour ça, je crois, qu'il dit comme ça, je sais pas. Regarde sur ce mur, ça ressemble à des tirs, non? Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça a été violent. Ils en ont vraiment pris plein la gueule. Tu crois pas si bien dire. La coque du vaisseau est déchirée sur la quasi-totalité des. Cette commande pourrait nous fournir des informations sur ce qui est arrivé à ce bâtiment. Mais je vous invite à aller écouter ça. Il est en train de préparer l'épisode 3. Faut que j'aille chez lui d'ailleurs pour faire une voix pour l'épisode 3. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il s'en occupe pas en fait de son épisode 3. Il a fait une vidéo avec moi qui parle des Ig Nobel, donc je vous invite à aller voir la vidéo.
on a, pour la petite anecdote, la vidéo, on l'a tournée deux fois. Une première fois, donc déjà ça a duré pas mal de temps. On bouffait de la pizza en même temps, donc voilà, avec des bières. Bon, là, on y a... Et sauf que là, on s'est rendu compte que ça allait pas. J'étais pas assez à fond dedans. Vous allez voir que dans la deuxième vidéo, je n'étais pas à fond dedans non plus. C'est juste que voilà, je m'étais pas préparé à tourner la vidéo, entre guillemets. Je m'étais pas informé sur les sujets, etc. Donc voilà, alors c'est très long, mais c'est plutôt sympathique. Donc allez regarder, franchement, parce que c'est plutôt sympa. On va avancer. C'est en fait récompenser les recherches qui font rire puis amènent à penser. Voilà, eux, c'est vraiment leur dogme, on va dire. Pas ni ses calculs en tête. Ni... Hop, ils ont réuni un. Qui concerne. En Afrique, toi? Non. Oui, bah, faudra que je te le montre, celui-là, justement, parce que ça parle beaucoup de guano dedans. Voilà, donc en fait, ils ont observé le guano parce qu'ils se sont demandé de quoi il se nourrissait, vu que. Alors clairement, on voit ma tronche que ça donne l'impression que je m'en bats les couilles. Alors non, c'est juste que déjà, on a fait ça assez tard. On a tourné la vidéo assez tard. On a mis donc ma lampe. Vous voyez que c'est dans ma chambre, hein, vous reconnaissez le mur. Mais très clairement, je sais pas. Je sais pas, voilà. Mais je vous invite à aller voir, parce que bon, bah voilà, c'est, on va dire, culturel. C'est une vidéo, voilà, allez regarder. D'ailleurs, on va mettre un petit j'aime à la vidéo. Et voilà. Donc, pour le moment, voilà, Saja a fait ça. Et après, il a fait également ça. Alors, c'est vrai que pour Saja, je fais plus une pub. J'ai rien à dire. Voilà. Je vous fais découvrir un peu les chaînes de tout le monde. Voilà. Bon, en fait, en gros, il n'y a que Rip et de moi. En fait, je crois qu'on pourra rigoler. Vraiment, c'était de la merde, je crois, ce qu'on faisait. Sur toutes les autres, je pense qu'ils ont surtout supprimé tous les autres qu'ils ont fait, ces petits bâtards. C'est pour ça, à mon avis. Et donc, pour finir la vidéo, nous allons parler de ma princesse. Non. Si, bon, si, mais. Je vais vous parler de Démonely Play. Alors, très clairement, elle nique le game. Non, elle a 307 abonnés. D'ailleurs, je pensais qu'elle en avait plus. Alors, je savais même pas qu'elle avait une page Facebook déjà. Ou alors, c'est la sienne, non directement. Elle avait un Insta, bon voilà, elle va tout supprimer parce qu'elle ne fait plus de vidéos sur sa chaîne. Bah, pareil, elle va faire des vidéos avec moi désormais sur Ripou et Troubinette. Elle faisait principalement donc des séries sur les Sims, avec donc des, on va dire, des photos montage donc de scènes, etc. Et donc, elle crée une histoire à partir de ça. Donc, faut aimer les Sims, bien entendu. Bon, moi, c'était pas mon délire, mais je regardais quand même parce que c'était quand même bien fait. Moi, j'aimais bien comme c'était fait. Donc, je vous invite pareil à aller regarder. Ok, on va regarder la première vidéo que t'as faite. Hein. On sait que bon, on a fait cette vidéo-là ensemble. Donc, de toute façon, on la verra. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Tu trouves pas, tu bois. Elle est vraiment magique, magistrale. Allez-vous la voir, bah, que ça soit sur la sienne ou sur la mienne. Hein, on s'en branle. Voilà. Voilà comment c'était fait en gros la vidéo. Je vous laisse voir. J'ai envie de voir une vidéo où on la voit, enfin ou pas vraiment où on la voit, pour celle qui me soutient le plus. Je sais pas. Ah mais je crois qu'elle l'a supprimée. Ah! Explication facecam! Oui! Je l'ai! Faut parler plus fort, ma chérie. Hein, pareil. Clairement, on parle plus fort dans les vidéos. Sinon, on t'entend pas. Hein? Voilà. Bon. Un petit conseil. Ah! Il y a celle-là aussi. Ce que je pense de SNK. Qui s'appelle Shingeki no Kyojin, en français l'attaque des titans. C'est un animé où nous suivons l'aventure de trois jeunes, Armin, Mikasa et Eren. Mais plus d'intonation dans ta voix! Oui, alors bonjour, moi c'est Troubias. Aujourd'hui, je vais vous montrer les premières vidéos de l'équipe de Ripou et Troubinette. Regardez la vidéo jusqu'au bout, surtout également parce que j'ai des petites annonces à vous faire. Alors, vous savez qu'actuellement, j'ai arrêté la chaîne Troubias, ma chaîne Troubias, mais je vais la reprendre. Ça va s'appeler Saibot Production. Saibot parce que c'est Tobias à l'envers, tout simplement. Saibot Production. Et en fait, bon, je vais faire des séries, etc. D'ailleurs, il y a un épisode qui va arriver sur la chaîne pour vous montrer comment un peu ce qui va se passer sur Saibot Production. Il y aura également des vidéos un peu plus culturelles
qui vont s'appeler Temps à ne rien faire. Non, qui vont parler de d'high-tech, de choses, enfin, de plein de choses. Donc, pour le moment, voilà, allez à vous abonner à la chaîne, donc ma chaîne principale. Je vais revenir dessus. Bon, le temps que je prépare, que je fasse les montages, etc., de ces vidéos, ça, il n'y aura pas une vidéo avant un moment. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, surtout. Pensez à liker pour, si vous voulez, à, donc, le deuxième épisode où on parle de mes chaînes d'avant. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. Je me répète, il me semble. Abonnez-vous et abonnez-vous en masse pour avoir nos vidéos. Merci à vous. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous.